Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté, le dernier de l'année 2023. Je sens que sur mes dernières vidéos ça va être ça que je vais vous dire, mais c'est la réalité. Donc du coup je me suis dit que j'allais clore cette année 2023 avec mon dernier haul beauté. Comme ça au moins on pourra commencer l'année, je vais y arriver, 2024. Tout clean, tout sera présenté, produit terminé, tout sera fait et du coup on recommencera à zéro. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Il y a du Victoria's Secret, il y a du Sephora, il y a du Notinvo, oh, je sais plus le nom du site, enfin bref, du L'Oréal j'ai également reçu une petite enveloppe de la part d'Aurélie. Vu que c'est de la beauté, je me suis dit que j'allais vous montrer ça en même temps. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec L'Oréal. Si vous avez vu ma dernière vidéo produits terminés, vous savez que je les ai rachetés, mais du coup je les ai quand même intégrés dans cette vidéo parce que ça me semblait logique puisqu'on parle de beauté. Donc j'ai racheté bien évidemment le sérum Midnight de chez L'Oréal, qui est vraiment excellent, je l'adore. J'ai compris comment marchait la pipette, ça y est. Il m'a fallu du temps, mais voilà, c'est vraiment un très bon produit, un très bon sérum, très efficace. Je vois une belle différence sur ma peau depuis que j'utilise ces produits, enfin depuis que j'ai ma nouvelle routine. Vraiment, j'ai une peau qui est beaucoup mieux au niveau boutons, j'ai quasiment rien. Et quand il y en a qui apparaissent, quasiment tout s'estompe en une journée, donc vraiment trop cool. Je ne perce plus mes boutons, les gars. Donc vraiment, ouais, il y a une belle évolution et c'est vrai qu'en sérum, il est vraiment très très bien. Avant, j'avais un de chez The Ordinary qui était très bien, mais c'est vrai que celui-ci correspond plus facilement aussi avec mon âge. Il est beaucoup plus concentré pour les peaux plus matures, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc moi, j'aime bien utiliser ce genre de produit-là. En tout cas, il me convient parfaitement. Et également, j'ai racheté le contour des yeux que j'aime énormément. Pareil, il est plus... au niveau de l'âge qui est recommandé, il est plus... plus pas pour moi, on va dire. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais... Enfin, c'est plus pour les peaux matures, mais moi, je l'apprécie énormément. Au niveau des rides, etc., j'ai vu une belle différence. Donc, pareil, vous sortez un tout petit peu de produit, vous pouvez masser, etc. J'aime énormément. Vraiment, il est top. J'utilise matin et soir et je l'adore. J'ai vu une belle différence. J'ai plus quasiment plus de rides ou de petites ridules au niveau du contour de l'œil et j'ai plus le contour de l'œil sec. Ça, c'est clair et net. Et surtout, en fait, je n'ai quasiment plus de cernes. Quand j'en ai vraiment, c'est que je dors mal et que je suis trop fatiguée. Et pourtant, je peux vous assurer qu'en ce moment au taf, c'est très chargé puisqu'on est sur la période de Noël. J'enchaîne les dimanches, etc. Donc j'ai quand même une bonne fatigue, mais je me repose beaucoup aussi. C'est important que ça soit pour la peau et pour le corps, pour la santé de base. Mais du coup, même si j'ai un peu de rides, enfin de rides n'importe quoi, de cernes, on va y arriver dans cette vidéo les gars, hein. De cernes, ça se voit quasiment pas. Là vous voyez, j'ai fait 6 jours non-stop. Ouais, j'ai fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non 7 jours, non 6 jours c'est bien ce que je dis, non-stop. Et vraiment vous voyez j'ai quasiment rien donc au niveau des cernes. Donc je suis très contente, habituellement j'ai des cernes vraiment noires voire violettes. Ça peut m'arriver encore mais vraiment je l'adore. Je l'adore ce produit là, il est vraiment exceptionnel. Il pénètre tout de suite dans la peau, il est vraiment très efficace. Je vous dis au niveau des rides c'est... The Pépite, vraiment il est top pour un produit de grande surface, j'adore. Ensuite on va continuer avec Victoria's Secret puisque comme je vous ai dit dans ma vidéo, également c'est vu ma vidéo produit terminé, je fais une à deux commandes par an. Donc en fait si vous êtes intéressé c'est très simple, vous allez sur le site de Victoria's Secret, vous faites votre commande et au moment de payer, vu que c'est en France, vous avez 10€ de frais où ça va compter la douane, etc. Donc finalement, voilà, vous êtes tranquille. Quand ça arrive chez vous, c'est chez vous. Il n'y a pas de frais de douane, d'exportation, de tout ce que vous voulez. Voilà, tout est déjà pris en charge. Donc c'est vraiment cool. Et l'avantage, c'est que sur le site de Victoria's Secret, il y a plus d'odeurs que dans les magasins Victoria's Secret qu'on peut avoir dans certaines villes ou régions. Et surtout, on a les collections actuelles. Donc ça c'est vraiment cool. Donc j'ai fait une commande avec 4 produits, donc 2 laits pour le corps et 2 brumes parce que les brumes je commence à ne plus trop en avoir vu que j'avais liquidé pas mal de choses, donc j'ai craqué. Donc la première que j'ai pris c'est Velvet Petal
Candy. Donc celle-ci, elle est déjà le packaging, il est magnifique. Voilà, c'est celle de Noël. Et c'est caramel, pétale de rose et je sais plus quoi. Enfin, c'est ça sent le bonbon, mais très doux en fait. Ça reste floral et en même temps un peu gourmand sans être trop sucré. Donc j'adore. Vraiment, ça sent extrêmement bon. Je vais m'en mettre. Je kiffe, j'ai l'impression de sentir le bonbon sans trop le sentir. Enfin, vraiment, j'adore ce genre de brume. Maintenant, je suis quand même beaucoup plus brume que parfum. Après, tout dépend le parfum, bien évidemment. Mais quand on voit les prix des parfums, une brume reste quand même plus accessible. Sachant que moi, là, je l'ai payé que 11 euros au lieu d'une vingtaine, 21 euros à peu près. Donc, c'est pour ça que je commande souvent quand c'est en promo et ça vaut grave le coup. Donc, j'ai pris celle-ci. Et celle-ci, que j'adore parce que j'ai déjà, voilà, bien liquidé la petite chose. C'est beurre vanilla et en fait vous avez marshmallow, vanille et un peu de fraise dedans. Ça sent extrêmement bon. Celle-là, je crois que c'est l'une de mes préférées. Oh, je la surkiffe. Il va falloir que je repasse commande très rapidement je pense. Si je veux encore la trouver parce que vraiment pépite. Et pareil, regardez, packaging de Noël. Vraiment, j'aime trop. Donc dans la salle de bain, ça fait top. En plus, j'ai racheté un meuble pépite. Bref, voilà, je suis trop fan des brumes Victoria's Secret. Pareil, je l'ai payé 11 euros, donc ça valait vraiment le coup. Là, au total, les 4 produits, j'ai payé 50 euros avec les frais de port et de taxes. Vous allez me dire, ouais, ça fait cher. Mais finalement, quand vous allez, par exemple, à Val d'Europe, déjà, moi, je dois prendre le train, je dois prendre le RER, le métro. Donc déjà, voilà, bon, j'y vais pas que pour ça, mais il y a quand même des frais. Et en général, c'est à enfin, si je me souviens bien des prix, c'est entre 15 et 20 euros la brume. Donc franchement, voilà. Donc, moi, j'ai fait des économies là-dessus. Certes, je paye un petit peu plus de frais. Ça revient peut-être quasiment au même. Mais au moins, j'ai les produits actuels et que je kiffe. Voilà, surtout ça. Ensuite, du coup, forcément, j'ai pris le lait pour le corps comme la brume. Voilà. Parce que c'est un très bon combo. Je ne l'ai pas encore utilisé, bien évidemment, parce que j'ai encore des produits à utiliser. Et à finir, mais celle-là, regardez-moi le packaging de ouf. J'aime trop. Alors si seulement on pouvait commander aussi sur Bath & Body Works, je vous avoue que je serais refaite. Malheureusement, non. Pas en France. Mais quand j'irai aux États-Unis, je peux vous assurer que sur certaines choses, je ferai la razzia. C'est obligatoire. Ensuite, bien sûr, j'ai pris le lait aussi de l'autre brume que je vous ai montré en premier. Regardez-moi ces packaging de fou. Oh, j'aime trop. Vraiment, c'est magnifique. Et encore, la lumière, on voit pas très bien. Mais j'adore. Vraiment au top. Donc, j'ai vraiment pris les combos et je suis trop fan. Voilà. Donc, pour Victoria's Secret. Ensuite, chez quand je suis allée avec Disney... Je suis fatiguée, je vous dis que des conneries. Quand je suis allée rejoindre Aurélie à Disney au mois de novembre, je suis rentrée plutôt forcément au niveau de la gare. Je suis désolée, la lumière est en train de changer. Merci. J'ai pris le temps de faire un peu de boutique et il y avait un grand Sephora là-bas. Il est immense, celui-là de la gare Saint-Lazare, je l'adore. Je m'y perds tellement il y a de trucs. Et j'ai craqué pour l'huile pour les lèvres Jisoo, mais la pailletée. Voilà, moi j'ai la classique et là la pailletée, il en restait qu'une. Donc forcément j'ai craqué, je l'aime énormément. Et quand j'y suis allée également, j'ai découvert une brume Sol de Janeiro. Moi j'en ai une qui est un peu esprit caramel vanille, que j'aime beaucoup. Et j'en ai découvert une nouvelle que je ne connaissais pas. Je ne l'ai pas prise et j'ai énormément regretté. Dans mes Sephora, elle n'existe pas, donc j'avais un petit peu les boules. Mais du coup sur le site Notivo, je crois que c'est ça, reprenez-moi si c'est pas le cas, Notivo, ouais, je crois que c'est ça, il y avait moins 20% et du coup j'ai craqué pour cette fameuse brume, mais je l'ai pris en petit modèle parce que c'est un coffret donc qui se présente comme ceci. Donc vous avez la brume, la crème pour le corps et le gel douche. Je me suis dit c'était l'occasion de tester puisque la grande brume coûte 25 euros, lui était à 22 euros, donc je l'ai eu un petit peu moins cher bien évidemment avec les moins 20%, et en plus il n'y avait pas de frais de livraison, donc c'était super cool. Donc voici la brume, c'est la numéro 40, c'est Black Umber, donc c'est prune noire ambrée et bois vanillé. Ça sent trop trop bon. Le côté gourmand, mais pas trop, enfin, pépite. Moi, je suis très sur les côtés parfum, brume, gourmand. Mais alors ça, elle est excellente. Donc, elle se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien utilisée puisque j'en ai quasiment plus. Mais en fait, celle-ci, je l'emmenais partout avec moi, au boulot, etc. Parce que
vraiment petit format, hyper pratique, donc j'adore. Et je fais des conneries, au secours. J'ai donc le gel douche, donc qui sent extrêmement bon aussi, que je n'ai pas encore utilisé, mais ils sont exactement comme la brume. Et par contre j'ai le baume pour le corps, et sincèrement je ne connaissais pas du tout leurs produits complémentaires, et il est excellent. Ils sont exactement comme la brume, un tout petit peu plus doux, et j'ai commencé à le tester et j'adore. Alors c'est des produits qui coûtent relativement cher de base. En complément, les brumes c'est 25 €, les compléments c'est un petit peu plus cher, les produits complémentaires, mais franchement j'adore. Donc je pense que je craquerai sûrement sur un plus gros comme ça l'année prochaine, parce que vraiment je l'adore. Et au niveau de l'hydratation, c'est top, ça colle pas, ça pénètre tout de suite. Jamais vu ça pour un beurre comme ça corporel, que du bonheur quoi les gars. Vraiment c'est une belle découverte cette marque là, en tout cas pour moi. Et puis la trousse elle est super sympa, donc voilà, j'étais très contente. Du coup après forcément que j'ai craqué pour ça, j'ai eu un mail de Sephora comme quoi il y avait une journée gold exclue internet. Donc du coup vu que la brume était un point rouge, enfin la marque Sol de Janeiro est un point rouge, je me suis dit bon bah c'est le moment de commander. Donc forcément qu'est-ce que j'ai fait, je me suis pris la grande brume qui est encore protégée, je ne l'ai pas ouverte, et je l'ai reprise en grand modèle. Il y a encore plus gros, mais bon je me suis dit on va quand même, voilà, j'aime bien changer, donc je veux pas que le produit s'abîme. Donc un 90 ml, je l'ai payé 18 € du coup au lieu de 25, donc ça valait vraiment le coup. Et vu que c'était une journée gold, c'était marqué cadeau, possibilité d'avoir un cadeau en gros en fonction des stocks. Donc je m'attendais absolument pas à avoir un cadeau de la part de chez Sephora, enfin en tout cas par rapport à la journée gold. Moi je voulais mon produit. Et quand j'ai vu le carton, je me suis dit pour une brume, le carton est assez grand. Et en fait j'avais une pochette gold, donc très contente. Et je vous assure que déjà la dernière, moi j'étais très contente. J'avais eu, bah, comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, une crème qui coûtait 13 € que je ne savais pas. J'avais eu un démaquillant pour les yeux à plus de 14 €. Enfin vraiment moi j'étais très contente, d'autres pas, mais et je le conçois. Et là les gars, c'est The Pépite. J'hallucinais. Alors déjà j'ai ce déodorant de la marque Respire, donc c'est un roll-on, donc moi j'aime pas trop les roll-on. Je l'ai testé, il est plutôt efficace, mais j'aime pas les roll-on, je trouve que ça tâche, enfin ça fait des traces blanches, et ça a été le cas pour celui-ci, donc je verrai si Alan le veut ou pas. J'ai eu une petite bombe de bain comme ça, donc ça c'est un petit basique, moi j'aime bien quand je fais mes bains de pied, etc. J'ai eu également, je vais vous montrer, deux petits sachets comme ceci, donc en fait ce sont des... c'est une... Merde, je vais plutôt ouvrir celui-là que j'ai défoncé, ça va être plus simple. C'est une étoile en fait, je trouve ça super chou, comme ceci. Donc c'est un ornement pour mettre dans le sapin, donc c'est plutôt sympa, je trouve, j'en ai eu deux. Ensuite j'ai eu un shampoing détox, donc voilà, de la marque ouais. Je connais pas cette marque, donc dites-moi si vous la connaissez. C'est pas moi qui l'utiliserai, c'est Alan quand il laisse pousser ses cheveux. Petit échantillon. J'ai eu une crème Shiseido, donc crème lift fermeté, donc un petit contenant comme ça de 15 ml, donc c'est plutôt cool, donc c'est celle que j'utilise actuellement. Ça permet à ma peau de changer de crème que j'utilise d'habitude. Elle est très efficace, elle est vraiment très bien, il faut en mettre très peu, donc ça me dure un petit moment. Je l'adore vraiment, alors je l'achèterai pas parce que Shiseido je sais que ça coûte un bras. Mais c'est bien de pouvoir tester, et voilà, je suis très contente d'avoir eu ce petit produit là. Et ensuite, donc c'était dans la boîte. Et donc la pépite, elle arrive, puisque je suis restée scotchée, puisque j'ai eu en cadeau une palette Too Faced. Ouais les gars, une Too Faced, voilà. Cette petite merveille coûte quand même 45 € actuellement sur le site. Et je l'ai eu gratuitement, et en plus je ne l'avais pas. Donc j'étais très contente, très surprise. Donc comme quoi en fait, Sephora peut faire de très beaux cadeaux, comme se foutre un peu de notre gueule. Mais moi en tout cas j'ai jamais été déçue actuellement. Moi ce qu'on me donne je prends, et je suis très contente. Voilà, j'attends rien en fait. C'est déjà un geste que Sephora nous fait, nous remercie. C'est pas le cas de toutes les enseignes, donc moi je suis contente avec ce qu'on me donne. Mais alors là franchement j'étais très très contente, très surprise aussi, je me suis dit what. Donc elle a un petit miroir et elle se présente comme ceci. Je suis vraiment très contente. C'est quand même 45 € rien que ça, donc vraiment
trop contente. En tout cas, mille merci Sephora parce que moi je suis vraiment très contente. Je ne m'attendais absolument à rien. Enfin, rien à voir en cadeau puisque du coup c'est en fonction des stocks. Et là j'ai eu ça. Je suis vraiment mais très très contente. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et voilà pour tous mes petits achats que j'ai fait de beauté. Et je vais vous montrer quand même ce que Aurélie nous a offert. Elle nous dit t'as une enveloppe, donc j'attendais un pins Disney, donc je pensais que c'était ça. Et en fait pas du tout, c'était Aurélie. Quand j'ai vu Aurélie je fais ah ok, donc non je ne suis pas au courant. En fait donc c'est pour Alan et moi. Et du coup elle nous a offert les patchs pour les yeux Grinch. Donc comment vous dire qu'il y en a un qui est très content et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on les fasse. Vu qu'il y a 4 paires, enfin 2 paires à chaque fois dans chaque, donc j'ai dit bah quand on va les faire, moi je vais en faire, toi tu vas en faire. Et comme ça on va pas ouvrir de sachets inutilement, même si ça se referme. C'est cool ça. Donc ça, et pour Alan bien sûr, elle a pris les sets de bain Cars. Parce qu'Alan adore Cars et il les avait pas. Donc il te remercie encore infiniment pour ses cadeaux Aurélie. Parce qu'il était très content. T'aurais dû voir un petit gamin quand il a vu qu'il avait ça. Donc voilà, il était très content. Et moi je ne lui avais pas pris. Donc du coup il était refait. Il ne faut pas grand chose à Alan, il est comme moi, rien lui fait plaisir, donc c'est vraiment cool. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo haul beauté, j'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous avez commandé chez Sephora pendant la journée gold exclu internet, n'hésitez pas à me le dire, dites-moi ce que vous avez eu en cadeau. Et voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao !